Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'été et Sophie va en camp. Nous allons voir dans cette histoire l'histoire de Sophie qui est allée en camp. Sophie au camp d'été. Cela fait 2 semaines que Sophie est en camp d'été. Ses journées sont chargées d'activités. Des jeux, des récoltes de bois pour allumer le feu, des préparatifs de repas. La nuit, tous les campeurs se réunissent autour du feu. Ils racontent des histoires et chantent encore. Un matin, le chef du groupe lui propose d'écrire une lettre à ses parents. Et vous, êtes-vous déjà allé camper? Où campe-t-on généralement? Dans la forêt, bien sûr, dans les bois, dans la nature, très bien. À votre avis, est-ce que Sophie communique, c'est-à-dire parle, chaque jour avec ses parents? Non, bien sûr. Moi aussi, il me semble qu'elle n'a pas de portable, qu'elle n'a pas de téléphone portable. Alors, on lui demande de rédiger une lettre. Une lettre? Avez-vous déjà écrit une lettre? Vous savez, le courrier, c'est une lettre. C'est-à-dire, c'est un message que l'on écrit sur une feuille, sur un papier. Et ce papier, on le dépose, on le met à l'intérieur d'une enveloppe. On dépose le papier dans l'enveloppe et à la fin, on colle un timbre et on écrit aussi l'adresse sur l'enveloppe. Il faut écrire l'adresse du destinataire, c'est-à-dire la personne à qui on écrit la lettre. Bravo! Alors, je vous rappelle que ça s'appelle le courrier. Vous avez déjà entendu dire le mot courriel? C'est quoi alors le courriel? Le courriel, c'est un courrier, mais qui n'est pas manuel, qui est électronique, ou bien qui est connu en anglais sous le nom de email. D'accord? Donc, le courrier, c'est tout ce qu'on écrit sur le papier, et le courriel, c'est ce qu'on envoie à l'aide de l'ordinateur et qui est tapé sur un écran. Cette lettre, en fait, elle est envoyée sur une adresse électronique qu'on appelle en anglais le email. Alors, voyons voir dans cet épisode ce que va écrire Sophie dans sa lettre. La lettre de Sophie. Chère maman, cher papa, vous me manquez énormément. J'espère que tout va bien et que vous êtes en bonne santé. Comment va Max? Aboie-t-il souvent la nuit? Ici, tout se passe bien. Je m'amuse à la folie. Je n'avais jamais imaginé passer de si beaux moments loin du portable et de l'ordinateur. La journée est pleine d'activités et mes camarades sont super gentils. J'ai découvert que la vie est plus belle quand on est bien entouré. Je ne vais pas tarder à rentrer à la maison. C'est probablement la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort, Sophie. Qui rédige la lettre? Sophie, bravo, c'est Sophie qui rédige la lettre, c'est-à-dire qui écrit la lettre. À qui elle écrit cette lettre? À ses parents, bravo. C'est Sophie qui écrit à ses parents. Comment la lettre est-elle introduite? C'est-à-dire par quoi elle commence? Par cher, cher. Chaque fois que je veux écrire une lettre à mes parents, à mes amis, je dois introduire, c'est-à-dire commencer la lettre par cher, avec le nom de la personne, bien sûr. Et comment est-elle clôturée, c'est-à-dire terminée? Très bien, vous vous rappelez bien, je vous embrasse. Elle a terminé sa lettre par l'expression je vous embrasse, bien sûr, avant de signer la lettre. Nous allons voir alors ensemble le texte qui parle de Sophie aussi et la lettre que Sophie a rédigée à ses parents. Voyons voir ensemble. La lettre de Sophie. Je vais lire cette partie. Chère maman, cher papa, vous me manquez énormément. J'espère
que tout va bien et que vous êtes en bonne santé. Remarquez avec moi que lorsque Sophie s'adresse à sa maman, elle écrit « chère » au féminin, c'est-à-dire qu'elle met un « e » à la fin et un accent grave sur le « e ». « Chère maman », lorsque vous vous adressez à une fille, à une dame, vous écrivez « chère » de cette façon. Et lorsqu'elle s'adresse à son papa, elle écrit « chère » sans « e » muet et sans accent. Ensuite, elle leur dit « vous me manquez énormément ». Ça veut dire que j'ai envie de vous voir. Très bien. J'espère que tout va bien et que vous êtes en bonne santé. C'est-à-dire qu'elle souhaite que ses parents vont bien et qu'ils se portent bien, leur santé est bonne. Comment va Max? Aboie-t-il souvent la nuit? Ici, tout se passe bien. Je m'amuse à la folie. Je n'avais jamais imaginé passer de si beaux moments loin du portable et de l'ordinateur. La journée est pleine d'activités et mes camarades sont super gentils. J'ai découvert que la vie est plus belle quand on est bien entouré. Je ne vais pas tarder à rentrer à la maison. C'est probablement la semaine prochaine. Je vous embrasse très fort. Sophie. À la fin, Sophie a signé son nom. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut toujours trouver à la fin d'une lettre? La signature. La signature de la personne qui écrit la lettre. Très bien. Et puis, rappelez-moi, comment Sophie exprime son amour pour ses parents? Qu'est-ce qu'elle dit pour montrer qu'elle les aime beaucoup? Vous me manquez énormément. C'est une belle expression à retenir. Lorsque vous voulez montrer à quelqu'un qu'il vous manque et que vous l'aimez, vous pouvez dire « Vous me manquez énormément ». Et à la fin de la lettre, comment aussi elle a exprimé son amour? Elle a dit « Je vous embrasse ». Je vous embrasse très fort. Très fort, c'est-à-dire beaucoup. Donc, c'est intéressant de répéter ces deux expressions et de terminer la lettre avec « Je vous embrasse ». Vous pouvez dire aussi « à bientôt ». J'ai remarqué qu'on a mentionné le nom de Max dans l'histoire. Qui est Max à votre avis? C'est un chien, bravo! Très bien, c'est un chien puisqu'il aboie. Très bien. Remarquez maintenant avec moi les mots qui figurent sur l'écran. Je vais les lire. Énormément. Ici. Bien, souvent, loin, probablement et fort. Ce sont des mots qu'on a déjà rencontrés dans le texte. Je vais vous poser une question. Est-ce que ces mots sont variables? Sont variables, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut les mettre au pluriel? On va essayer ensemble. On peut dire énormément avec S ou bien ici avec S. Jamais. Bien avec S, jamais. Donc, ils ne sont jamais au pluriel. Est-ce qu'on peut les mettre au féminin? Par exemple, on peut dire énormément. Jamais. Je n'ai jamais vu ce mot-là, ça n'existe pas. On dit que ces mots sont des mots invariables. On les appelle des adverbes. Ce sont des adverbes. Les adverbes, ce sont des mots invariables qui montrent la quantité ou bien le lieu, ou bien la possibilité, c'est-à-dire peut-être ou non, oui ou non. Regardez avec moi par exemple, quand on prend énormément, énormément, ça veut dire beaucoup, ça montre la quantité. Quand je dis ici, c'est un adverbe qui indique le lieu, très bien. Quand je dis bien aussi, bien, tu travailles bien, c'est-à-dire que c'est un bon travail. Souvent, cela montre que ça se répète. Je dis par exemple, j'écris souvent des lettres à ma grand-mère. Souvent, c'est-à-dire chaque semaine peut-être. Donc, ce sont des adverbes qui peuvent indiquer la quantité ou bien le lieu et aussi qui sont toujours, toujours invariables. C'est-à-dire, on ne peut pas les mettre au féminin, on ne peut pas les mettre au pluriel.
Bravo. J'espère que vous aussi, vous êtes intéressé à écrire des lettres à vos camarades. Vous pouvez tout de même essayer aujourd'hui à choisir un camarade et à jouer avec lui, à lui écrire une lettre. N'oubliez pas de mentionner tout ce que je vous ai appris dans votre lettre. Alors finalement, est-ce que vous avez apprécié cet épisode? Parfait, moi aussi. Alors, je vais vous dire au revoir et à la prochaine! لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا 7+.